Bienvenue, Nébet. La ville de l'avenir de l'Égypte t'ouvre grand. Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce 26e épisode sur Assassin's Creed Origins. On trouve beaucoup d'œuvres perdues et de fragments. Alors, on devait justement. Peut-être pas chaque jour. Regardez dans les quêtes. Pour nous émerveiller. On n'en avait plus d'autres, je crois. Allez. Un guide te conduira à ta nouvelle maison. Tu n'auras plus qu'à la sortir du sable et à participer aux travaux communs et tu seras le bienvenu parmi nous. Alors. On avait une quête justement ici. Je me souviens. On va aller voir donc nouvel arrivant. Ah là. Ouf, le malheureux. J'aurais même pu essayer de le pousser, tiens. Tu es prêt à travailler pour devenir libre ? Je connais ces histoires. Un guide te conduira à ta nouvelle maison. Tu n'auras plus qu'à la sortir du sable et à participer. Bienvenue. Bienvenue à l'Étopolis. Je n'oublie jamais un visage et le tien ne me dit rien. Tu l'as trouvé, ton nouveau foyer, le miracle du labeur des hommes. La grande œuvre a commencé. Non, ce n'est pas ce que... Tu l'ignores encore, c'est tout. On offre une maison à chaque nouveau venu. Ça, c'est fait. Il suffit de la désensabler. Alors, parlez aux travaux communs. Une nouvelle vie. Je ne suis pas venu ici pour vivre dans le sable. Tu devrais aller parler à l'un des nouveaux habitants. Voilà, il est là-bas, Neyi. Demander à Neyi. On va y aller. Il te dira combien il est agréable de se libérer de son passé. Je n'abandonne pas mon passé comme un serpent fait sa mue. Bienvenue, l'ami. Une nouvelle vie t'attend ici, à l'Étopolis, la cité d'Horus. Viens, trouve ta voie et marche à nos côtés vers une... Par les dieux ! Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mon frère m'a pris ma ferme et... La nuit venue, j'ai entendu de terribles rugissements et je les ai abandonnés. Mes pauvres, mes seuls biens, qu'est-ce que je vais devenir ? Des rugissements ? Il n'y a pas de fauves dans cette... Je n'ai pas cherché à le savoir. C'est le restait de mon père. Kéop, c'est qui ? Et je les ai abandonnés. Avec... Quand j'irai dans cette région, je verrai si je les... Pour l'instant, occupe-toi de ta nouvelle maison. Merci. Ma mère est à droite de l'entrée du temple. Puisses-tu sur les ailes brillantes d'Horus ? Ok, trouver le chariot et le lui ramener. Attendez, on va essayer d'appeler. Ah non, je peux pas. J'ai plus de monture ou quoi? C'est quoi cette blague? Ah bah voilà, merci. Quand même. Voilà. Allez, cannabis. Rue contre vents et marées. Ah, ok. Ça commence mal. Ça commence très mal. Bon, on va devoir ramener ce maudit chariot. Ça va, on n'est pas loin au final. En espérant que c'est bien là l'objectif. Ou alors il va falloir utiliser ces nous. Bingo. D'accord. Attendez. On va attendre et on va essayer de mieux voir ce qui peuple. Vous voyez, ouais. Ah, c'est déjà pas la même, hein. Animaux. Coffre. Il n'y a pas grand monde en fait, hein. Ça va, ça va. Il y a moyen de se les faire easy, mais je serais plus passé par là. Par là. Attendez. Doucement. On va tenter. Ouais. Ok. Voyons si je peux vous dégager. Ok, discret, j'avais dit. Une autre offrande à la maîtresse de la peur. Saignons cet étranger pour la dame du massacre. Ici. Aucune chance face à toi. Me débarrasser de toi sera ma première bonne action. Voilà, esquive. Hop là, deuxième esquive. Wow, là je vais prendre cher par contre.
nous aussi, mais... Les dieux, n'oublie jamais les visages. Mais le tri... Hop, oh, mais mince, c'était mauvais bouton pour l'esquive. Attendez, on va faire ça. Et... Toi, t'es un petit peu mort. Ça, c'est juste pour le délire. Voilà. Merci. Au revoir. On va récupérer les biens de tout le monde. Hein. Tant qu'à faire, autant que ce combat me serve à quelque chose. Les peaux ici, peut-être. Voilà, la fourrure. On va prendre le coffre. Je sais pas ce qu'il vaut, mais... Un bouclier. Ok. Ça se prend. On va reprendre la charrette. Non. Non, on va pas. On va pas suivre l'objectif, on va passer à travers tout. Heureusement que je suis venu. Le pauvre Nei serait mort et vous auriez été mangé par les lions. Chante le gars, c'est possible ça? Il massacre un village complet, enfin un village. Rien et toi. Donc il massacre des lions et 3-4 gars et tout va bien quoi. Chante. Wow. Moi perso, je vois ma carriole qui revient, je descends, je vais l'accueillir quoi. Non, le mec, rien à foutre quoi. Nick Ennis, tu pourrais aimer. Bayek, tu as trouvé Khéops et Kira. J'en pleure des larmes de joie. Ton travail a bien avancé durant mon absence. J'ai trouvé quelque chose d'étrange dans ma maison. Ça attise ma curiosité, et pourtant, j'en suis terrifié. Tu veux le voir? Montre-moi. C'est comme ça qu'on se prend un coup de couteau, hein. En dégageant la pièce principale, j'ai trouvé des inscriptions inquiétantes sur le mur. Elles sont anciennes, je ne sais pas ce qu'elles signifient, mais elles me donnent la chair de poule. Ancienne, oui. Mais incomplète. Impossible à déchiffrer. Effacée par le temps et le sable. Tu crois que cette maison est maudite? Je vais me renseigner en ville. D'accord. Mais que vais-je faire? J'ose à peine dormir ici. Tu ne risques rien. C'est ce qu'ils disent tous, hein. Tu risques rien. Oula. Oula. Tu devrais aller voir Ramesu. Il connaît tout le monde et... D'accord. Et il sait tout ce qui se passe en ville. Je n'en doute pas. Alors, Ramesu. Ah, ça va, 100 mètres. J'ai cru que c'était à 1000 mètres. Je suis non. Mais non, ça va, tout va bien. Ah ouais, d'accord, c'est lui. Bienvenue. Bienvenue à l'Étopolis. Toi, je sais ce que tu veux. Tu viens te chercher une maison. Non, je... Tu pourrais la déblayer en un rien de temps. Assez. Je viens de chez Nei. Il m'a montré des inscriptions étranges. Sois sans inquiétude, mon ami. Ils sont trois à m'avoir dit la même chose. Elles sont trop vieilles pour avoir gardé le moindre sens. Je vais aller les voir. Fais ce que tu veux, mais tu perds ton temps. Ça commence déjà. Bienvenue, Nebet, la ville de l'avenir de l'Égypte. Rends ses bras. Là, il y en a une. Voilà. Là, il y en a une. Et... Oh. Bon. Normalement, je fais pas ça, mais... Là, il y a du bois, donc ça vaut la peine quand même. Et de fragments de l'ancien monde. Je tue pas pour tuer. Mais là, j'ai... Mais assez souvent... Ah non, il est parti. Hors de mon chemin. Hey. Vite. Nick Ennis, c'est Geriot. Mieux vaut ne pas attirer l'attention ici.
Trop tard. Oh. Allez, on va faire ça. Mais que... Plus vite. Te voilà. Plus vite. Oh, il m'a bien eu. Voilà, hop. Bois de serre, hop. On va sauter alors. Maintenant qu'on a eu le bois, on va plonger pour ne plus être en combat. On va dire ça comme ça. Tiens, est-ce que j'ai de quoi me TP ici? Tiens. Est-ce que je l'ai déjà activé ou alors c'est parce que je suis en combat et je peux plus les faire? Je pense que je les ai tous. Je pense, mais je ne suis pas sûr. Bon, on verra. On va déjà aller voir là-haut. Ça me dit rien du tout, ça. Je pense que je les ai pas encore activés ici. C'est ça le Schmilblick. Beau temple. D'accord. Je me suis dit, ouais, comment il va faire pour monter, mais... Non, en fait ça le gêne pas du tout. Pas le moins du monde. Allez, synchronise-toi. Elle est où? On est bien ici, hein. Je l'ai déjà fait. Comment c'est possible ça? Bon, c'est pas grave. On va faire ça alors. Et on va faire un saut de la foi, pas de la joie. Faut pas confondre, hein, attention. Alors, on va aller ici et on va voir directement les habitants concernés. Tu viens d'arriver? Je suis de passage, mais j'enquête sur un mystère. Tu as trouvé d'anciens hiéroglyphes chez toi? Comme tout le monde. Je ne m'en suis pas préoccupé. Pourquoi? Ils veulent dire quelque chose? Je l'ignore encore. Je peux les voir? Sinon tu fais un selfie. Bien sûr, oui. Et dis-moi si je dois m'inquiéter. Toi, c'est par là? Non, c'est pas par là. C'est où? C'est où? Sérieux, lui? Alors. C'est où? Alors, on va monter, alors. Tant pis. On va rentrer là. Tant pis, je vais pas attendre... qui m'ouvre la porte. Lire. Une autre portion du message. Alors, le deuxième, qu'est-ce qu'il veut, lui? Ouais? Qu'est-ce que je peux pour toi? Ramessu dit que tu as trouvé d'étranges hiéroglyphes dans ta maison. Oui. Je dois dire qu'ils m'ont inquiété. Je crois que quelqu'un d'autre en a trouvé de semblables. Je peux les voir? Bien sûr. Va jeter un coup d'œil. D'accord, ils sont là. Je pensais qu'ils étaient à l'étage, mais non, même pas. Le style est identique. Peut-être une autre partie du même message. D'accord, bon. Et on va regarder le troisième.
Ce qui m'inquiète, c'est que son papyrus a l'air quand même vachement grand et il y a beaucoup de lignes. Donc concrètement, il y en aurait plus, mais bon. Il y aurait déjà une bonne partie du message, ouais. Je peux te demander quelque chose ? Oui, quoi ? Nei a trouvé un étrange symbole chez lui, comme toi. Je peux y jeter un œil ? Naturellement. C'est le nouveau, hein ? Il serait mignon s'il n'avait pas toujours l'air prêt à pleurer. Dis-lui que j'ai demandé de ses nouvelles. Mon nom, c'est Nebefer. Or, bon, on va... Alors, les pieds fermement plantés à l'Étolopolis regardent à l'ouest vers les pyramides. Dans les dunes repose le temple d'un million d'années gardé par les lionnes de pierre. Le message est complet. D'accord. On dirait que c'est une vision prophétique. À l'ouest. Explorer les alentours et découvrir le temple. Où se trouve ce temple ? À l'ouest. On va regarder la carte. Ce serait pas ça des fois ? Avec des lions ? C'était pas ça ? Comment on se réfère ? Alors là. Pour une fois, j'ai plus de bois qu'autre chose. Voilà, on va faire ça. Ah ouais, ah ça c'est mieux quand même. Beaucoup mieux. Alors, ça par contre, j'aurais peut-être dû prendre. Soit. Comment on fait ça ? Je veux bien, mais... Quête ? Trouver le temple vieux d'un million d'années. Ça peut être n'importe où en fait. Hein. Je me suis encore lancé dans un truc. Oh là là. En même temps, c'est pas un temple quoi. C'est pas non plus une petite maison ou quelque chose qu'on pourrait louper quoi. Looter. Qu'on pourrait louper en tout cas. Donc, franchement. Hein. J'en ai aucune idée, mais tout ce que je sais, c'est que là-bas, il y a blindé de peau. Et là, du coup, ça attise mon regard acéré de chasseur. Wow. Voilà, hop. On va descendre, hein, parce qu'on va leur faire peur sinon. Ou pas. Wow. Allez, on y va à la hachette. C'est parti. Ah, super. Ah, on a plus besoin. Bon, ok, ça c'est fait. Il est malheureux. J'ai massacré la moitié du monde. Et encore, je suis gentil. Bon, j'ai plus de flèches. On va devoir y aller. Comme un bourrin. Il y avait une autre bébête.
moi je sais pas, bien sûr. Normalement, il y a des crocos. Ah non. En socialisation, MDR. Attends, tu vas voir. Moi, je vais te socialiser aussi, façon Bayek. Oh. Trois, c'était peut-être pas le meilleur plan. Je me fais des pop. Ah, regardez ça. Ah là là. Et je peux me barrer ou quoi? Merci. Mais t'es sérieux là ou quoi? Ah, les crocodiles. Oh, punaise. J'ai pris trop cher. Ah, il est mort? Ah ouais? Il s'est tué tout seul, je sais pas comment, mais il s'est tué tout seul. Voilà. Bon, là, on va le tuer. Hein. On y est. On n'a pas peur de lui. Ça a vraiment été chaud-boulette au tout début. Parce que bon, j'ai quand même été comme un bourrin. En disant, ouais, c'est bon, ça passe. Mais non, pas vraiment, ça passait pas trop. Et je suis occupé de me dire que je laisserais peut-être tomber la quête pour en faire une autre. Parce que bon, chercher après un temple, autant essayer de tomber dessus un de ces quatre, et puis voilà quoi. Ça a de la vie, hein, ce machin. Franchement, ça, on peut pas le nier. On peut pas nier ce machin, c'est un truc de fou. Tiens, on va aller là parce qu'il y a un événement ou une zone à découvrir, donc autant le faire. On va regarder, tiens. C'est quoi ça? Bah, ce serait pas mes ruines de temple, tiens. Quand même un gros doute que j'ai pas trouvé ce truc, tiens, sans le vouloir. Ce qui s'appelle la chance, les amis, la chance. Du débutant, mais la chance quand même. Bon bah, on va continuer à se faire des... J'ai l'air des crocos, mais c'est pas des crocos. C'est des nippos. C'est des nippopotames, ouais. Et ils piquent, hein. Voilà. Bon. Quoi, y en a encore un? A priori non. Bon, on va aller voir ça ici, hein. C'est quoi ce truc? Le goût de sa piqûre. Quatre sites cérémoniels trouvés dans l'univers. Investigation de sa présage dans le ciel. Res. Cette poésie perverse célèbre le chaos. Elle bafoue tout ce qui est divin. Déjà, et y a juste. Un coffre. Là, je pense. Là-haut, c'est quoi ce délire? Allez, tu peux avancer. Qu'est-ce qu'il me fait? Il veut pas aller plus loin. C'est une blague. Allez voir ça. Jambe.com. Eh bien écoutez, c'est ici qu'on va se laisser. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, bien sûr. Abonnez-vous, bien sûr, si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à aller voir les autres let's play, bien sûr, sur la chaîne. Merci à tous. Bye bye.